pastels secs. Je vous conseille de prendre des pastels de qualité. Vous allez voir que vous allez prendre beaucoup plus de plaisir à dessiner. Vous trouvez ça dans tous les magasins de bricolage ou sur internet. Du papier en format A3 sur une plaque de plastique fixée avec du scotch juste de peintre. Ce sont des demi-pastels et ils ont une forme de craie. Vous pouvez utiliser soit la bordure ici qui fera quelque chose de très précis, soit toute la longueur. Commencez par la couleur claire, ça permet d'aller progressivement vers les autres couleurs. Nos doigts peuvent devenir une palette de couleurs. On peut aussi utiliser papier ménage ou un mouchoir pour étaler. Première couche de pigment, on peut continuer à mettre plusieurs couches. Je vous montre ça sur un chevalet, mais quand j'ai posé la deuxième couche, je me suis mise à plat sur une table parce qu'il y a besoin d'appuyer pour que le grain se pose bien sur le papier.